On est à Manigo dans les Aravis pour un stage de préparation avec le groupe France Ski Alpinisme qui regroupe les meilleurs coureurs de la saison dernière qui ont brillé sur le circuit Coupe du Monde et au Championnat d'Europe. On est sur un stage de fin de préparation générale et ce stage-là en fait c'est le début du travail qualitatif. Donc on est sur des intensités spécifiques et on vient travailler et sur des zones d'intensité vraiment spécifiques et identifiées et sur de la technique pure où on vient commencer à chercher les détails techniques. L'idée c'est vraiment d'amener une très grosse charge d'entraînement et pour réussir à amener ça, on a besoin d'une récupération optimale, d'être dans un lieu qui est idéal pour ça, avec un vrai moteur qui est la passion et la pratique de la montagne au centre de ça pour qu'il n'y ait aucune lassitude, qu'il soit content d'être là. Et on a plusieurs intervenants extérieurs qui viennent permettre d'assimiler la charge. Sur ce stage-là, on a fait du ski roue, où là on vient chercher vraiment de l'habilité technique, donc des détails à différentes intensités, et on vient faire derrière un feedback vidéo pour améliorer la technique pure. On a fait du vélo, où là le but c'est vraiment du foncier, tout comme la marche bâton. Et puis on a fait aussi pas mal de séances spécifiques à pied sur différentes zones d'intensité, où là vraiment l'intérêt c'est des développements d'habilité physique. La suite là pour les athlètes, c'est d'être sur vraiment l'entraînement chacun de leur côté pendant un mois et demi. Et puis après, on se retrouvera à Tignes dans fin du mois d'octobre pour entamer vraiment l'entraînement sur les skis. Et on prend les saisons les unes après les autres. Là, cette année, on aura un circuit Coupe du Monde avec une nouvelle épreuve, le relais mixte, qui sera une épreuve olympique, avec plus de sprints, qui sera la deuxième épreuve olympique aussi. Avec toujours des épreuves individuelles et vertical race. Donc on va essayer de confirmer les bons résultats de l'année dernière où la France avait brillé dans toutes les disciplines et pour les deux équipes hommes et femmes. Donc on va concrétiser et puis continuer le travail, mettre des choses en place pour élever le niveau et se préparer au mieux pour les JO de 2026.